du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ils resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, car ils sont maintenant au nombre des enfants de Dieu, et ils partageront la gloire des saints. Vous avez entendu dans ces paroles de l'Évangile, il y a un futur et un présent. Ils sont maintenant au nombre des enfants de Dieu. Et nous aussi, au présent, c'est notre grâce un peu plus aujourd'hui. Les textes tout à l'heure nous aideront à approfondir cette famille que nous sommes, cette famille de Dieu. Ouvrons notre cœur à son pardon qui fait de nous un peu plus à l'image de Dieu. Nous en reparlerons tout à l'heure. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint. Toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions ensemble. Seigneur, la gloire de tes élus est un reflet de ta splendeur. Et tu as consacré ce jour et ce lieu par le martyre de Saint Maurice et de ses compagnons. Accorde à ton Église, qui fait avec joie leur entrée dans le ciel, de trouver à leur exemple et par leur prière le chemin de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture, la parole de Dieu dans le livre de la Sagesse, maintenant. Et si je me permets de vous rappeler que ce livre de la Sagesse a été écrit à Alexandrie, en Égypte, sur la terre d'où viennent nos martyrs. Et il y a ici
quelques frères coptes qui viennent participer à notre Eucharistie et qui sont du même pays. Quand nous lisons le livre de la sagesse, écrit là-bas, juste avant l'arrivée de Jésus sur terre, donc au premier siècle avant notre ère, il est émouvant de voir que la révélation de la Bible, Dieu a fait l'homme à son image, et la réflexion des philosophes grecs a fait une synthèse prodigieuse de laquelle nous vivons. Bien sûr, nous vivons intellectuellement, mais nous vivons de la vie même de Jésus, je le rappellerai tout à l'heure. Alors, si Dieu nous a fait pour une existence impérissable à son image, les mots de immortalité que nous entendons dans notre texte essayent de récupérer toutes ces valeurs, la révélation biblique et la philosophie grecque. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de chose auprès du bonheur dont ils sont comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a trouvés dignes de lui, comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Au jour de sa visite, ils resplendiront. Ils étincelleront comme un feu qui court à travers la paille. Ils seront les juges des nations et les maîtres des peuples, et le Seigneur règnera sur eux pour toujours. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprennent la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Tout à la fin de la révélation dans le livre de l'Apocalypse, qui ne veut pas dire d'abord catastrophe, qui veut dire d'abord révélation. C'est le sommet de la révélation dans un contexte tragique de lutte, de persécution. Et les martyrs, même si c'est 200 ans après, qu'est-ce que c'est que 200 ans ? Les martyrs ont vécu ce que l'auteur de l'Apocalypse révèle, mais il soulève le voile aussi pour montrer ce qu'est leur vie, ce qu'est notre vie. Et nous entendons parler de jour et nuit. L'abbaye de Saint-Maurice a été fondée il y a 1500 ans pour précisément être un lieu de témoignage sous toutes ses formes et de prière. Laus perennis, ça veut dire aussi jour et nuit, louange perpétuelle. Alors, depuis l'auteur de l'Apocalypse, à travers la vie des martyrs, des témoins, maintenant, et la nôtre.
Moi, Jean, j'ai vu une foule immense devant le trône de Dieu. L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils et d'où viennent-ils ?» Je lui répondis, « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. » Il reprit, « Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui siège sur le trône habitera parmi eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La brûlure du soleil ne les accablera plus. Puisque l'agneau se tient au milieu du trône, il sera leur pasteur pour les conduire vers les eaux de la source de vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Jubilez, habitants d'Agone, que vos cœurs, vos voix, vos mains applaudissent et proclamez Dieu en louange infinie pour qu'en sa lumière glorieuse, il nous unisse à nos martyrs. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux 12 apôtres, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme, aussi bien que le corps. Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce n'est pas fréquent, ça arrive avec une certaine périodicité. Vous le savez que la fête de Saint-Maurice tombe un dimanche. Et le dimanche, bien sûr, le mot lui-même, la Domenica, le jour du Seigneur, nous rappelle bien sûr la résurrection de Jésus. Il y a ici un tombeau vide. Il y avait à Jérusalem, il y a 2000 ans et quelques, un tombeau vide. Eh bien, c'est une image, parce que le jour de la résurrection, le tombeau était vide, oui, mais Jésus était vivant. Le tombeau vide n'était qu'un signe. Et le vivant est apparu précisément vivant avec son corps. Rappelez-vous, touchez-moi, donnez-moi à manger, nous allons partager ce repas. Donc Jésus, le vivant, c'est montré, et il a fallu que des gens le voient, l'entendent,
Et c'est précisément ce que les évangélistes et les actes des apôtres appellent les témoins. Et si je vous rappelle que le mot témoin en grec, ça se dit martyr. Martyr. Nous pensons que les martyrs sont uniquement ceux à qui on coupe la tête. Ça ne fait pas du bien. Bien sûr. Mais le mot témoin veut d'abord dire ce que le mot veut dire, celui qui peut porter un témoignage que Jésus est vivant. Mais que Jésus est vivant dans un petit nuage, ce n'est pas essentiel. Que Jésus est notre vie, ça c'est essentiel. Alors que la fête de Saint-Maurice nous le rappelle, que Jésus est vivant, que Jésus a vécu, que Jésus a dit un certain nombre de choses, que Jésus a fait un certain nombre de choses. Et ces témoins que nous sommes, 2000 ans après, est-ce que nous vivons comme Jésus ? Est-ce que nous disons comme Jésus? Est-ce que nous faisons comme Jésus? Dans les journaux, tous ces temps, on parle et même on se gargarise de ce lieu, de ces fouilles assez extraordinaires, en disant « c'est les pierres qui témoignent ». Les pierres? Je rappelle, et je ne fais pas un jeu de mots, que les auteurs du Nouveau Testament parlent souvent de pierres vivantes. C'est vous ? C'est moi ? Ce n'est pas seulement cela. Alors, nous qui vivons à Saint-Maurice, ou qui sommes venus en pèlerinage à Saint-Maurice aujourd'hui, rappelons-nous que c'est à cela que nous sommes appelés. À être non pas des pierres, non pas seulement des martyrs à qui on coupe la tête, ça peut arriver, ça arrive encore, mais précisément ces témoins. C'est notre grâce. Et en attendant, comme les martyrs, dont le tombeau est vide, nous attendons la résurrection. Mais que veut dire résurrection ? Ce n'est pas dans le futur, c'est la participation à la vie de Jésus. C'est notre foi et notre espérance. Puisque c'est l'amour qui nous fait vivre. Alors, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
tu es béni. Dieu notre Père, toi qui me donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, pour te le prie. Il deviendra le vin du royaume éternel. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, regarde les dons que nous te présentons à la glorieuse passion de tes saints martyrs, Maurice et ses compagnons. C'est en ton honneur qu'ils te sont offerts. Fait que par leur intercession, ils servent à notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de chanter ta louange et de t'offrir ce sacrifice d'action de grâce. Car tu as purifié de ta divine lumière des fidèles qui, venus des extrémités de la terre, ne cessaient de t'implorer. Cette légion thébaine, commandée par Maurice, tu l'as muni des armes spirituelles d'une ferme constance pour qu'elle se hâte vers le martyre. Et demeurant inébranlable dans la foi, elle affronte de nombreux soldats aux armes menaçantes. Le feu de ton amour les embrase de charité. Ils déposent leurs armes, se jettent à genoux, et tombe sous le tranchant de l'épée, le cœur dilaté de joie et d'espérance. C'est pourquoi, animés de la même foi, brûlant du même amour, nous te bénissons avec les anges et les archanges, et nous te louons et nous te chantons. Saint, 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 Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Esprit sur ce pain et ce pain qui deviennent
d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce. Car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre père abbé Joseph, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Maurice et ses compagnons, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde,
Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas vos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Adieu de Dieu. L'agneau de Dieu qui enlève le péché. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le
corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps. Nourris de tes sacrements et de ta joie, Seigneur, nous te supplions que les martyrs, dont le triomphe est notre joie, nous aident et nous protègent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant de vous envoyer dans la paix et dans la joie du Christ, nous écoutons nos amis coptes, m'a-t-on dit, qui vont nous chanter quelque chose. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.